comprend ce qu'elle fait. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche. Je suis en plein nettoyage. Je vous ai pas appris tout de suite. Je pense que Lorenzo, il m'a dit qu'il vous a appris lorsque je faisais donc mon ménage dans la salle de bain. Voilà, j'avance un peu au niveau du ménage. Là maintenant, je finis avec ici à la maison. Je vais descendre, je vais faire un peu ma voiture. Voilà. Comme ça, ça s'est fait aussi, ça sera bon. Et j'avais pensé de faire aussi mon débarras. Donc mon débarras ici dans la maison. Donc c'est le cellier, je sais pas comment vous l'appelez, parce que c'est vraiment le bordel. Il faut tout réorganiser, tout ranger. J'aimerais bien le faire avant qu'on reprenne tous à travailler. Maintenant qu'on a le temps devant nous, j'aimerais bien le faire correctement, comme ça c'est fait, c'est bon. Maintenant je descends, je vais chercher tout ce que j'ai besoin pour nettoyer ma voiture. Et puis voilà, donc on va pas manger aujourd'hui à midi parce que bon, on s'est levé tard, on a pris le petit déjeuner, on a mangé des pains grillés et tout. Donc voilà, on n'a pas faim. On mangera ce soir. Donc on va cuisiner ce soir, donc voilà. Si jamais on a faim, bah, on mangera une tartine ou quoi entre temps, avant qu'on mange donc ce soir. Mais sinon, voilà, je vais pas faire manger ce midi. Donc ce sera encore nettoyage, et puis voilà, on s'occupe comme ça. Donc, je viens de finir de nettoyer la voiture, donc c'est bon, c'est fait, je suis contente, elle est vraiment tout propre. Nous sommes à table, donc papa il a fait un petit risotto au parmesan, c'est super bon ça, donc ça peut dépanner vite fait comme ça à l'heure de midi. C'est trop bon. Appétit! Donc on est, je pense, pas loin des 3h ou 3h15, je sais plus trop. Donc je vous donne quelques petites nouvelles de Pluto. Pluto est donc encore à la clinique. Évidemment, il s'est fait donc opérer hier. On l'a donc castré pour son bien à lui. Parce que le problème, c'était que quand il était rentré, on l'a dû sortir évidemment pour faire sa toilette. Et ça a recommencé. Évidemment, lui ressent à... Enfin, les chiens ressentent à 1 km. Donc si une chienne est en chaleur... Et ça a recommencé, en fait. Et ça, il a bien très bien compris, le vétérinaire. Il nous a dit, vous l'avez sorti. Je dis oui, j'ai fait un autre tour. Mais je sais qu'un kilomètre, c'est loin. Donc, il le sent quand même. Je sais pas comment faire. J'étais un peu confus hier. Et il m'a dit, voilà, donc on va le castrer. On va l'opérer parce que, bah, sinon, son zizi va vraiment beaucoup pâtir. Il a fait donc la castration et en même temps ils ont coupé un bout de zizi parce que bah, il a pris cher. Voilà, donc c'était quand même dur d'entendre ça, mais voilà, c'était pour son bien et pour que ça s'arrête. Donc oui, j'ai dit évidemment oui. Du coup, il nous appelait ce matin, il est très bien réveillé, tout va très bien, il a sorti pour faire ses besoins. Il va très bien, il fait pipi, il fait caca. On peut faire plutôt. Non, on peut pas, maman. Du coup, il a dit qu'il préfère le garder quand même 2 jours encore avec lui pour vraiment vérifier si tout va bien. On est censé aller le chercher mardi, donc si tout va bien, évidemment. Si tout va bien, mardi, donc il rentre. Regarde, voilà. Spider-Man. Du coup, Jada, il est en train de regarder Spider-Man. Sur AB3, ils ont mis les 3 films Spider-Man. Donc là, on est au deuxième. Ouais, on est au deuxième. Voilà. Donc, moi, je vais aller faire la vaisselle, du coup. Et puis, on verra ce qu'on fait. Voilà. Je vous prends, il est 4h20. Je suis en train de faire, en fait, des truffes. Donc, j'ai fait donc la pâte. Du coup, je vais la mettre au frigo parce qu'elle doit au moins rester 1 heure dans le frigo. Voilà, au frais. Donc je fais des truffes au chocolat, voilà. Donc, je vais les mouiller dans du chocolat. Je vais les mouiller donc ici, tu sais, du, comment on appelle ça, du coco, non, du cacao amer. Donc ensuite je vais les saupoudrer, enfin les enrober aussi de sucre glace et d'autres avec de la noix de coco. Voilà, j'en ai 3. J'ai 3 trucs comme ça et ben je ferai les 3 sortes de truffes. Et comme ça on a des truffes. Pour le dessert ce soir, avec une tasse de thé ou une tasse de lait devant la télé ce soir. Voilà, ça fait plaisir, une petite truc.
Du coup, demain, je vais peut-être pâtisser aussi, quoique demain, je dois aller travailler. Demain, c'est lundi pour moi, donc je dois aller travailler, mais je pars à midi et j'ai fini à 3h30. Bah, comme vendredi, en fait, voilà. Du coup, oui, je pars, mais je rentre assez tôt, donc je continue quand même à vlogger demain aussi. J'avais pensé peut-être faire un autre gâteau, on va voir, je pense un marbré, parce que Jada adore le marbré, donc je vais lui faire un marbré. Voilà, je vais voir si j'ai tout au niveau des ingrédients. Normalement, oui, j'aurai tout pour faire un marbré. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce sera les truffes au chocolat, et à la noix de coco et au sucre. Et demain, un marbré, voilà. Donc comme ça, on fait quelque chose tous les jours, on a quelque chose à faire et on s'ennuie pas. Voilà, je voulais vous montrer ma voiture toute propre. J'avais fait ça donc tout ce matin. Du coup là, on prend la voiture, elle est allumée d'ailleurs. On ira faire un tour en voiture, voilà, tout simplement. Donc je vous prends bien plus tard. J'ai vraiment pas pensé à refilmer aujourd'hui. Donc on est rendu 11h05. Nous allons donc nous poser tranquillement sur le divan. Nous avons mangé ce soir lasagne. Voilà, j'ai fait de la lasagne. Et du coup, voilà, maintenant, Jada est au lit. Elle est partie au lit. Et bah, nous, on va rester une petite demi-heure, une heure sur le divan, regarder un film ou quoi. Et puis, ça sera dodo. Voilà, ça sera dodo. Donc demain, ça sera lundi. Lundi, je vloggerai. Malgré que bah, j'irai travailler vite fait, et après le travail, bah, je vous prends, voilà. Donc du coup, je vais clôturer ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura donc plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis donc à demain. Ciao.